Il est 22h, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Djibouti donc a célébré l'anniversaire de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Et santé, le ministre de la Santé a reçu le nouveau représentant de l'OIM à Djibouti. Et dans l'actualité internationale, la commémoration de la chute du mur de Berlin a été placée sous le signe de l'Union. Bonsoir à tous. Djibouti a célébré hier soir la commémoration de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, dans la capitale comme dans les régions de l'intérieur. En effet, ces célébrations ont eu lieu à la direction générale de la police nationale en présence du ministre de l'Intérieur Moumine Ahmed Cheikh, du directeur général de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi, ainsi que des policiers en uniforme. Célébration également dans les quartiers Cheikh Moussa et la cité Al-Hiba. Regardez. وكان يعظم هذا اليوم يوم الاثنين يوم الاثنين هذه كلمة أريد أن أشير إلى الإخوة الكرام أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعظم يوم مولده بالصيام أو بقيام أو بذكر أو بإطعام طعام فهنا الاحتفال وارد أنه كان عليه الصلاة والسلام يعظم هذا اليوم ونعطر ألسنتنا بالصلاة والسلام عليه والحمد لله رب العالمين. Célébrations similaires également dans les quartiers populaires de la capitale, comme ici au quartier 7 à Engelay, dans les annexes des quartiers 4 et 6. Les ulamas religieux et sages de ces quartiers entourés des habitants ont célébré comme il se doit ce Moulid an-Nabi. عقم العجائب في ترتيب التركيب من هذه القول خلق مغوعد والعرق واللحم والجلد والشعر والدم من محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق هذا من الدين اللازم Oh,
les CDC de la capitale ne sont pas en reste puisqu'ils ont accueilli les célébrations, la commémoration de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Ainsi, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec le ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, a organisé hier soir au CDC de quartier 5 une conférence islamique. L'événement a vu la participation de la directrice des CDC par intérim et du chef de service au ministère des Warf, du directeur du CDC de quartier 5 et de l'imam religieux. Ainsi, des dizaines de jeunes et des femmes ont afflué donc de différents quartiers de la capitale. Le programme des prédications historiques de la vie de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, que la bénédiction donc du Tout-Puissant soit sur lui, des questions-réponses portant sur l'islam et les compagnons du prophète, des péripéties qui ont permis à la religion de conquérir le cœur des hommes. La conférence a pris fin tard dans la nuit dans une ambiance culturelle fervente, avec la remise des récompenses aux heureux gagnants qui ont su répondre aux questions. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Mustapha Mohamed Mahmoud, a reçu ce week-end une délégation de la Banque mondiale conduite par Andreas Blom, responsable de l'éducation et de la formation dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. La rencontre qui s'est déroulée en présence des directeurs généraux de l'enseignement, de l'administration et du CRIPEN, donc, a été l'occasion pour lancer officiellement le projet transformateur de l'école djiboutienne. Après un mot de bienvenue, le ministre Mustapha Mohamed a longuement exposé le cadre de la mise en œuvre du nouveau projet transformateur du système éducatif financé par le groupe de la Banque mondiale. L'occasion pour lui également de mettre l'accent sur ce nouveau projet programme très ambitieux et doté d'une enveloppe assez conséquente de 28 millions de dollars qui est bâti sur 4 leviers stratégiques conformément au plan d'action de l'éducation pour la période 2017-2019. Il s'agit notamment de la qualité, de l'inclusion, de l'enseignement préscolaire et enfin du pilotage et la bonne gouvernance du système éducatif. Le ministre a expliqué que des stratégies et des résultats sont attendus dans chacune des activités prévues au sein de chacun de ces axes d'intervention. Par exemple, la qualité comprend le développement professionnel des personnels pédagogiques, mais aussi l'usage renforcé du numérique ainsi qu'un suivi et évaluation accrue des résultats des élèves. Le préscolaire, ça c'est très important. Deux, il faut l'enseignant. L'enseignant dans l'école est un enseignant formé, motivé, pressant. Donc, on va mettre l'argent sur la formation des enseignants djiboutiens. Troisièmement, il faut mesurer l'apprentissage. Donc, il faut mesurer si l'enfant vraiment arrive à connaître les lettres, à lire, à calculer. Donc, il faut un système national d'apprentissage et évaluation d'apprentissage. Et on va soutenir le ministère à développer cette capacité. Donc, ce sont les objectifs de cette réunion. On se félicite sur l'engagement du ministre et de tout le ministère et la volonté de vraiment améliorer l'apprentissage de tous les Djiboutiens. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé, Mohamed Oursama Diri, a reçu dans son cabinet le nouveau représentant de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, à Djibouti, Ashraf Kamil, dans le cadre d'une visite de courtoisie au cours de laquelle les deux parties ont échangé leur point de vue sur la situation sanitaire des migrants en territoire djiboutien. Cette première réunion a vu la participation des principaux collaborateurs et conseillers techniques du ministre. Et le ministre de la Santé a indiqué durant cette rencontre l'importance que revêt cet important programme pour porter assistance et soutien en faveur des migrants tout le long du corridor migratoire. Ainsi, le ministre et le nouveau représentant de l'OIM à Djibouti ont parcouru ensemble les principales actions menées dans le cadre du programme intitulé « Solutions pérennes pour les populations hôtes, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables à Djibouti ». Financé par l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, ce vaste programme mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations implique de nombreuses institutions onusiennes telles que l'UNICEF, l'OMS, l'ONARS ainsi que plusieurs départements sectoriels en vue de conjuguer leurs efforts sur la problématique de la santé des migrants à Djibouti.
Le général de 4 étoiles Stéphane Townsend, commandant de l'US Africa Command, a effectué une visite dans la base principale de la Marine nationale pour superviser le déroulement de l'exercice Cutlass Express 2019-2 qui avait débuté le 28 octobre dernier au camp d'Oralé des gardes-côtes djiboutiens. À son arrivée à la base, le général 4 étoiles Stéphane Townsend, commandant de l'US Africa Command, a été accueilli chaleureusement par le général de brigade Taher Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense des forces armées djiboutienne, accompagné du colonel Waïs Omar Bourouré, commandant des gardes-côtes, et du lieutenant-colonel Ahmed Daher, commandant de la Marine nationale. L'exercice Cutlass Express, qui est à sa 9e édition, est un exercice de coordination internationale organisé par l'Africom avec les pays africains de la région ayant une façade maritime sur l'océan Indien. Son objectif principal est de renforcer l'interopérabilité des moyens communs de lutte contre toutes les activités illégales en mer, mais aussi la lutte contre la menace constante de la piraterie maritime et du terrorisme maritime. Les responsables américains et djiboutiens ont d'abord visité le déroulement de l'exercice avant de s'entretenir longuement sur la nécessité de cet exercice Cutlass Express qui va sans doute renforcer les liens de coopération et de coordination au niveau régional afin de raffermir la sécurité et la sûreté du détroit de Bab el-Mandeb, du golfe d'Aden et plus largement de l'océan Indien. Le général 4 étoiles Stephen Townsend a réaffirmé l'engagement parfait des États-Unis d'Amérique auprès des partenaires africains afin de continuer à renforcer les partages d'informations, la communication et l'interopérabilité pour ainsi contribuer à la stabilité régionale et à la sécurité maritime. La politique d'accueil des réfugiés en République de Djibouti attire de plus en plus de partenaires et donateurs intéressés par la question des réfugiés et des personnes déplacées. Donc, une importante délégation française conduite par l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, et accompagnée donc d'un sénateur français qui répond au nom de Damien Régnard, s'est rendue hier au village des réfugiés de Holhol. Cette délégation a été introduite au village des réfugiés par le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan, et du représentant du HCR à Djibouti, Abdillah Ebari. La délégation a eu un tête-à-tête avec les réfugiés vivant dans ce village, discutant en long et en large de leurs besoins et doléances. Les représentants des réfugiés des différentes communautés ont tour à tour pris la parole et ont exposé à cette délégation française leurs besoins à court et à long terme, tout en remerciant l'ONARS et le HCR pour leur soutien et assistance sans faille. Et l'ambassadeur de France à Djibouti et le sénateur français qui conduisait donc cette délégation ont écouté et ont pris bonne note des demandes et doléances de ces réfugiés et ont promis de transmettre au gouvernement français ainsi qu'au Parlement de l'Union européenne leurs doléances. Ils ont promis d'apporter des réponses concrètes. Nous les écoutons. Je suis venu avec le sénateur Régnard qui vient de Paris d'abord pour regarder, pour découvrir, pour rencontrer à la fois l'ensemble des réfugiés qui sont ici, à Holhol, des milliers de gens pour comprendre leur histoire, d'où ils viennent et surtout comment ils vivent. Et puis pour rencontrer les travailleurs djiboutiens, internationaux, les humanitaires qui tous les jours donnent de leur temps pour alléger les souffrances de ces réfugiés. Et puis très concrètement, on voit une vie qui s'organise tous les jours. On vient de voir des petits lopins de terre où il y a des petites terres agricoles. On a rencontré l'école, on a rencontré les lieux où sont acheminées l'aide alimentaire et l'eau. Et donc c'est pour nous encourageant de voir qu'il y a ici des gens très motivés pour alléger les souffrances des uns et des autres. Alors la question, c'est celle de l'avenir. La communauté internationale ici est très mobilisée. Les Nations Unies, les ONG, l'État djiboutien auquel je veux rendre hommage, l'Union européenne à travers lequel la France agit beaucoup. La question maintenant, c'est l'avenir. Il y a des doléances, des demandes très claires qui nous ont été faites en matière de santé, en matière de reconstruction de la route, de façon à ce que ce village de réfugiés puisse être mieux en contact avec le village de Holhol. On a pris beaucoup d'images, on a pris beaucoup d'idées, et puis on va essayer de voir ce que l'on va pouvoir faire au cours des prochains mois.
Ça fait plusieurs camps ou villages que je visite dans différents pays et c'était important pour moi de me rendre compte ici à Djibouti ce qui se passe à Holol. Et vraiment, j'étais impressionné par le côté très apaisé des communautés qui vivent ici, très calme. Nous avons entendu leurs messages et leurs demandes. Nous avons pu aussi voir qu'il y a une structure, comme l'a dit l'ambassadeur, qui se met en place et qui fonctionne. Il y a plus de 1000 enfants scolarisés. Il y a un centre hospitalier qui permet d'avoir une cinquantaine de visites médicales. Un médecin qui vient plusieurs fois par semaine. Une agriculture dans des terrains privés maintenant. Donc une petite économie. Qui montre aussi l'initiative et la volonté des gens qui sont ici de ne pas dépendre uniquement de l'aide, mais de vouloir s'en sortir. Donc ça, ce sont des signes tout à fait encourageants. Concernant mon message et les conséquences de ce voyage, la première chose, c'est un témoignage. Une fois qu'on a vu et qu'on a échangé et qu'on peut en parler directement, au sein du Parlement, en France, au Sénat, à l'Assemblée nationale, mais également auprès des membres du gouvernement de la France, on peut en parler également au niveau européen, l'ambassadeur l'a mentionné, l'Union européenne, et on l'a vu à travers son aide. Toujours nouvelle nationale, le réseau national pour le développement en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de solidarité a clôturé une cérémonie de fin de formation au profit des conseils des quartiers dans le but de renforcer leurs compétences afin qu'ils puissent mettre en œuvre les programmes de développement et de cohésion sociale du RNDS. Objectif donc de cette formation sur l'initiative de développement communautaire qui est donc la création d'une caisse de solidarité de la banque alimentaire et enfin le bureau de matériel et sa gestion. Présidé par le directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères et parrain du RNDS, Guélé Idriss Omar, fondateur donc du conseil des quartiers, Youssouf Nouhou, du représentant du RNDS en Angleterre, Saïd Gaboubé, et de nombreuses personnalités, les participants se sont exprimés et ont apporté des idées très intéressantes pour renforcer et garantir la durabilité de la banque alimentaire qui était donc le thème du jour. D'être dans notre annexe, sans oublier le responsable qui a pris l'initiative de penser aux quartiers dans leur développement, surtout pour les gens vulnérables. Je tiens à remercier avant tout le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et sa première dame, qui étaient les premiers fondateurs et initiateurs de cette idée. Et ensuite, je tiens à remercier la RNDRS qui, depuis leur arrivée avec Saïd Gaboubé, qui ne pense au développement social du quartier. Et nous tenons aussi à remercier, sans oublier, les invités et les jeunes qui ont compris qu'aujourd'hui, main à main, on peut aller très loin pour le développement de notre quartier. Dans le cadre de cette tournée de prise de contact, le préfet de la région de Dikila, Dandarar Moussa, s'est rendu à Dadahalou, localité périphérique de la sous-préfecture de Mouloud. Lors de cette tournée, le préfet de la région était accompagné donc des autorités de la région, notamment du président du conseil régional, des membres de l'Union des femmes de la région et du chef du bureau régional de l'éducation nationale ainsi que des responsables des services déconcentrés. Le préfet de la région et sa délégation ont été accueillis à leur arrivée par le sous-préfet de Mouloud ainsi que par la population de Dadahalou. Le préfet de Dikil donc et sa délégation ont visité par la suite l'école primaire où ils ont pu assister au déroulement des cours dans les salles des classes et aussi discuter avec le directeur de l'école pour s'imprégner de son état de fonctionnement et difficultés rencontrées en marge de cette visite de proximité.
proximité. Le préfet de la région d'Ikis s'est entretenu avec les chefs coutumiers et maires de la localité qui, en premier lieu, souhaitaient la bienvenue au nouveau préfet et ensuite soulever donc les lacunes et difficultés persistantes dans l'éducation, la santé ou encore le transport. Le préfet a, dans son intervention, appelé les chefs coutumiers à consolider la paix et la sécurité et à porter à la connaissance des participants que la localité de Ladahalou et ses périphéries bénéficieront du nouveau programme de solidarité famille appelé PITCH. Il a en dernier lieu assuré de faire le nécessaire pour transmettre leurs doléances au gouvernement afin d'y remédier dans les plus brefs délais. L'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes organise depuis le 3 novembre dernier une tournée de sensibilisation dans les collectivités territoriales de Djibouti sous le thème décentralisation et mission de l'ANCLD. Après les régions de Tadjoura, de Dikil et d'Alessébié, l'étape du conseil régional d'Obok s'est déroulée donc jeudi dernier en présence du préfet Abdelmalik Mohamed Banuta et du président du conseil régional Mohamed Ahmed Ismail. Cette tournée est une activité du projet d'appui aux autorités locale de Djibouti financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association internationale des maires francophones. L'objet de cette tournée est de sensibiliser les conseillers régionaux, l'administration déconcentrée ainsi que les leaders communautaires afin d'améliorer leur perception et leur compréhension de la décentralisation ainsi que le rôle de l'ANCLD. Des missions sur l'état civil exécuté par le secrétariat d'État chargé de la décentralisation en partenariat avec l'UNICEF. Cette mission de 5 jours a commencé par une phase d'activité de sensibilisation et s'est terminée par une phase de formation des agents d'État civil. Donc, pour la phase de sensibilisation, nous nous sommes rendus dans les localités rurales où s'est posé le problème d'enregistrement des naissances. Nous restons dans le nord du pays, après Obok, direction Tadjoura, où le préfet Hassan Dabel et le président du conseil régional Omar Hussein ont présidé un atelier de sensibilisation dans les collectivités de Djibouti, décentralisation aux missions donc du territorial. La décentralisation s'inscrit dans les priorités du gouvernement djiboutien et au cœur du cadre de référence nationale dans la vision Djibouti 2035, dont le palier bonne gouvernance comporte un axe relatif à une démocratie renforcée, fondée sur la bonne gouvernance comme une norme sociale dans le processus de décentralisation et qui s'est matérialisé par la création des 5 collectivités régionales. L'autonomisation des collectivités territoriales devient l'un des principaux défis du gouvernement qui multiplie les actions conséquentes pour y parvenir. Parallèlement, les collectivités territoriales font également face à un autre défi qui est celui de la mobilisation de toutes les forces vives de leurs territoires respectifs. Une partie de la population ignore encore ce qu'est la décentralisation et certains conseillers ont une idée vague de leur mission et de celle des collectivités territoriales en général, alors que l'appropriation est un facteur de réussite du processus de décentralisation. Bien sûr, tous ces gens-là travaillent dans l'intérêt de leur population. Et après les textes et les lois, nous, les préfets représentants de l'État, nous sommes facilitateurs, bien sûr, de la feuille de route qui est tracée par le président de la République à travers les ministères sectoriels. Que pour la bonne gouvernance et pour la transparence, et il faut que tout d'abord les ministères au niveau central travaillent ensemble, non seulement celui du ministère de l'Intérieur, mais tous les ministères doivent travailler et épauler le ministère de la décentralisation. Une équipe composée des responsables de la mairie de Djibouti et de l'INAP sillonne les différentes régions de l'intérieur pour vulgariser les missions des entités administratives décentralisées. Ces déplacements s'inscrivent dans le cadre de sensibilisation des collectivités locales sur le processus de la décentralisation. Ici à Alessébié, cet atelier animé par l'expert Younis Farah, juriste au ministère de l'Intérieur et également professeur à l'INAP, sous l'égide du premier adjoint du préfet de la région et du vice-président du conseil régional. La rencontre donc a vu la participation
participation de l'ensemble des membres du conseil régional d'Addis Abeba, mais aussi des responsables des services déconcentrés. La séance a été ouverte par le vice-président du conseil régional et l'expert a fait un exposé dans lequel il a défini les tenants et aboutissants de chacune de ces administrations en clarifiant leurs missions et leurs prérogatives tout en mettant en exergue leur complémentarité. Enfin, avant de clôturer l'atelier, les participants n'ont pas manqué de poser donc des questions à l'expert en vue de mieux appréhender les mécanismes de fonctionnement des administrations concernées. Et par une association dont, qui regroupe les 5 régions et la ville de Djibouti. Cette association a pour mission d'approcher les deux entités, à savoir la partie gouvernementale et la collectivité locale. De là, lorsqu'on comprendra quels sont les rôles de chaque entité, on peut quand même savoir où va chaque entité. Sport pour clore l'actualité nationale. La Ligue régionale de natation de Djibouti a organisé vendredi dernier à la piscine de l'Artillerie une journée de détection de jeunes talents au JOJ de Dakar 2022 qui a pour mission de constituer l'équipe nationale des différentes catégories et de genre. Et ce projet a également pour mission de regrouper les meilleurs dans ces catégories pour les former et les préparer pour les compétitions internationales programmées sur le plan régional, continental et international et surtout pour les JOJ 2022. De Dakar. Une centaine d'athlètes venus de différents CDC de la ville de Djibouti et de l'école de la natation ont participé en masse à cette journée. Et particulièrement la Ligue de Djibouti organise la journée de détection des jeunes talents de 2004 à 2007. Grâce à l'école de natation, aujourd'hui nous voyons à l'œuvre, les filles. Nous encourageons beaucoup les filles à pratiquer ces sports. Et comme vous voyez l'influence, il y a également, comme d'habitude, beaucoup de jeunes qui ont participé à cette compétition. Cite à tous les directeurs des CDC et des clubs qui ont participé aujourd'hui à cette compétition. Et nous leur donnons également rendez-vous vendredi prochain pour l'ouverture du championnat. Actualité internationale à présent, les commémorations du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin ont été placées sous le signe de l'Union et la chancelière allemande Angela Merkel a tenu à rappeler à quel point il était important que l'Europe défende la liberté et la démocratie. Fardous Hussein nous en dit plus. Commémoration visée à appeler à la vigilance concernant la démocratie et la fraternité. La chancelière s'est exprimée ce samedi matin dans un lieu autrefois théâtre de nombreux drames lors de la guerre froide. Le 9 novembre, qui reflète d'une manière particulière les moments terribles et heureux de notre histoire, nous avertit que nous devons résolument nous opposer à la haine, au racisme, à l'antisémitisme. Elle nous avertit de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour défendre la liberté, la démocratie, la dignité humaine et la primauté du droit. Libre donc, Lula veut continuer de lutter donc pour le peuple brésilien, la joie et la combativité. L'ancien président brésilien Lula a été libéré vendredi. Il était détenu depuis plus d'un an et demi après avoir été condamné dans une affaire de corruption. L'ancien président brésilien Lula a été libéré vendredi. Sa libération est la conséquence d'un arrêt de la Cour suprême. La haute cour a mis fin ce jeudi à une jurisprudence très restrictive sur les droits des personnes condamnées. La libération de Lula, c'était quelque chose de très important pour la démocratie brésilienne, dit une supportrice de Lula. Nous avions l'impression d'être emprisonnés avec lui dans sa cellule. À présent, notre esprit est de nouveau libre. De nombreux autres détenus condamnés dans le cadre de la même opération anticorruption pourraient eux aussi bénéficier de l'arrêt de la Cour suprême et recouvrer la liberté. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.